Et salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc, enfin, la deuxième partie, on peut appeler ça. Donc, c'est la suite de la vidéo dont j'ai ressorti normalement juste avant, où j'ai fait les deux premières parties de la quête. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, de 1, je vous conseille d'aller la voir. Et de 2, je joue un deck paladin. J'ai déjà fait deux parties, j'ai gagné les deux, c'était assez bien. J'ai eu quelques petits bugs avec Frabs, j'espère que le problème va se régler. Donc, on va commencer directement. J'espère que j'aurai pas de bug de FPS cette fois-ci. Donc j'essaye de faire plus ou moins 15 minutes les vidéos, donc là on va dire jusqu'à 18h30. Oh, ça peut dépasser un petit peu ou un train un peu moins grand, ça dépend vraiment des parties. Donc voilà. Mon micro qui commence à se démonter un peu ici. Alors, je sais pas si le son passe bien. Sur la dernière vidéo, ça passe assez bien, donc ça devrait aller. Alors, on va garder. C'est une carte que j'aime bien. Avec le paladin, si vous avez pas vu la première vidéo, comme la première partie que j'ai fait, un truc que j'aime bien. Hop, petite chute de FPS. Donc je disais, un truc que j'aime bien, c'est que en milieu de partie, comme ça, je peux balancer deux bénédictions de puissance et deux bénédictions des rois, je crois que ça s'appelle. Et ça fait plus 8, plus 6, donc ça fait plus 22 d'attaque. Plus 22, plus. Je sais plus calculer moi. Plus 14 attaques, pardon. Et si je mets ça sur une grosse créature, ben j'arrive à le finir en 2 tours, quoi. C'est ce que j'ai fait à la première toute première partie. Allez la voir, je vous conseille, c'était très bien. Donc je rappelle le score 2-0 pour moi. Notre but c'est de faire 5-0, même si je pense pas que ça va le faire. Ce deck paladin qui est assez fort. Personnellement, je trouve que c'est un des decks les plus forts. C'est gérable. C'est gérable. C'est embêtant de mettre déjà une bénédiction maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Le chasseur, il a des trucs qui tapent à deux, donc ouais, on va mettre ça dessus. Et on va. Oh, allez, on va pas encore mettre l'humilité. On va aller garder les grosses créatures. Merci. Surtout pour commercer. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok. Donc surtout. Voilà, donc ouais. Est-ce qu'on lui met tout dans la gueule? On lui met un bouclier divin, en tout cas. Or, je vais donner un cristal de mana en plus. C'est un peu embêtant, mais c'est pas ultra ultra grave. Voilà, c'est pas encore méga grave. Après, je peux toujours lui faire 7 de dégâts au tour prochain, enfin 8 de dégâts. Oh, pas de charge s'il vous plaît, pas de charge. Ok, ça va. Ouais, ça va un peu moins du coup. Alors, ma théorie serait mettre une bénédiction sur mon machin là, ma recrue, aller taper dans ça, aller taper dans ça avec la bénédiction, et je crois que c'est ce que je vais faire. Donc tac, 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 et je tourne ça, voilà. Ça coûte cher, mais le contrôle de terrain, c'est ça qui détermine en fait si on gagne la partie ou pas. La deuxième partie que j'avais jouée, ou la première, je sais plus, non, c'était la première. L'épisode précédent,
non, c'était la deuxième contre le guerrier Murloc. Il avait pas du tout géré le board. Et du coup, au final, je me suis retrouvé avec un board complet. Lui, il avait trois créatures et il s'est fait défoncer, quoi. Donc voilà. Alors là, je crois que je vais mettre la prêtresse, hein, ouais. Pas dommage de mettre ça maintenant, hein, mais. Ça, on va lui mettre tous les militaires. Ouais. C'est dommage, hein, mais. Voilà. Alors, je me demande si maintenant il le tape, donc il le met en accès de rage, et que après je mets mon arme, est-ce que elle aura toujours plus de l'attaque? Je pense que oui. Pas le charge, pas le charge. Ah. Donc il va aller tout me tuer, je parie. Enfin, il va aller me tuer mon truc là, ouais. Ça commence assez mal cette partie, voilà, maintenant j'ai ça quoi. Ça commence assez mal, on va directement aller taper là-dedans, hop. Voilà, bon, j'ai plus que deux cartes. Ça commence assez mal. Voilà, donc les petites chutes de FPS, je m'en excuse vraiment. Donc bah voilà pourquoi j'ai gardé l'humilité. J'ai pas envie de lancer ma conséquence maintenant. Là, mon chien qui aboie. C'est vraiment dommage d'être obligé de lancer une consécration pour ça. Au pire, il a encore que 3 dégâts sur table. C'est pas encore trop grave. Franchement, c'est encore gérable. On verra bien. Alors, je m'excuse vraiment pour les problèmes de FPS, hein. Il y a des fois où je coupe l'enregistrement et le relancer. Je dois sûrement sur un problème avec mon PC. Ok, bon, il a plus de. Enfin, ici, il a une carte. Là, je crois que ça va consacrer. Ou alors. Ouais, non. Donc, championne. Je vais remettre une championne. Voilà. J'ai pas d'autre chose à faire. Il faut absolument que j'ai une grosse créature qui pop. Du style. Qu'est-ce que j'ai comme grosse créature? Le gardien des rois. Qui pourrait être utile. En fait, j'ai pas grand-chose d'autre, donc. Ok, bon, je crois que c'est mal parti pour l'instant. Heureusement que j'ai gardé ma consec. Donc, hop, consec. Pour la justice. Okay, on va taper dedans. Allez. Okay. Voilà, on va aller lentement. Lui, il a plus de cartes. Il m'en reste une. Donc, j'ai une carte d'avance sur lui, normalement. Enfin, oui, j'ai une carte d'avance sur lui. Sauf s'il a évidemment quelque chose pour piocher. On est tous les deux à 17. J'ai une arme. J'ai deux créatures. Donc, j'ai normalement un. Statistiquement, j'ai un avantage. Voilà, donc ça, c'est qu'il a rien d'autre à jouer. Ok. Oh bah parfait, hop. On va garder l'arme au cas où, c'est pour toujours être utile. C'est ça que j'attendais. Qui est pour moi la plus belle carte du jeu, vraiment magnifique. L'illustration est vraiment super belle. J'aimerais vraiment la voir en gold. Parce qu'elle est vraiment super belle. Les illustrateurs du jeu ont vraiment vraiment bien fait leur truc. Donc je crois que cette partie de vidéo va durer qu'une partie, enfin. Vous voyez ce que je veux dire quoi. On verra bien, donc 3-6, je peux lui clean. Oups. Ok, je m'excuse vraiment pour les bugs. Je vous traquerai. Ok, alors je m'excuse vraiment pour les bugs de. Au combat! Au combat! Ok, alors là, je peux lui faire.
beaucoup de dégâts. 5, 6, 7, 8. Je vais mettre un 3. Comme ça. Tour d'après, s'il fait rien, si ça ne soigne pas, j'ai gagné. Et je crois que je ferai qu'une partie dans cette... Voilà. 3-0. Un bon score. Une belle partie. Non, je vais faire encore une partie. Donc, toujours 3-0. Un très très bon score. Ouais, ça c'est bien. Je suis content. J'ai pas encore perdu une seule fois. C'est un deck que j'adore, mais je le maîtrise pas super bien. Et donc là, je suis assez content. Je fasse 3 victoires et 0 défaites. Alors je m'excuse encore pour les coupures à chaque fois. C'est vraiment un bug avec Frappe, je sais pas pourquoi. Je devrais le réduire à 30 FPS. Au lieu de 35, c'est peut-être ça le problème. Et que du coup, comme il est fait pour tant d'FPS et que je le mets à 35, ça le... Ça fait bugger, je sais pas, je vais voir. Je verrai pas la prochaine vidéo, je suis encore vraiment désolé. Ça on peut garder. Alors, un guerrier. Ok, génial. Très bonne main de départ. Jongleur de couteau qui est aussi une de mes cartes préférées. Déjà parce qu'elle est super belle. De 1 et de 2, son effet est bien. Cet effet est surtout utile avec un deck mage. Et avec un deck paladin aussi, hein, avec le... Alors là il va me la tuer. Je vais pas aller faire ça. Mince. Mince, j'ai fait n'importe quoi. Oui, non, j'ai fait absolument n'importe quoi. J'ai pas réfléchi, j'aurais dû réfléchir. C'est pas encore super grave, tour d'après je peux mettre ça. Donc avec le paladin aussi très fort, vu qu'à chaque fois que, bah tous les tours je peux infliger un point de dégâts, plus mettre un machin sur le... une recrue sur le board, ce qui est pas mal. Alors l'arme je vais la garder maintenant à 2. Si jamais... Ah non, vu que c'est là, non, je vais la tuer, je vais balancer comme un porc. On verra bien, si je tombe sur celui qui fait charge, ou sur l'autre, on verra bien. Donc c'est celui qui n'a rien à faire. Donc, bien, hop, ça fait 4-5 points de dégâts. Et c'est pour ça que j'adore le jongleur de couteau, surtout avec le paladin. Il marche aussi avec le chaman. Il marche avec le paladin et le chaman. Parce que leur pouvoir permet de faire un point de dégâts en plus. Bon, c'est aléatoire, mais comme ici, quand il n'y a que une cible, ou même s'il n'y a que deux cibles, c'est pas encore. Donc là, ouf, on a deux championnes. Je vais championne. Oups, petit. Attendez, freeze même, attendez. Ok, on se retrouve. J'ai changé Frappes pour le remettre à 30 FPS au lieu de 35. Donc je disais, je vais championne. Tac, tac. Et voilà. Toujours le contrôle du board, très important. J'ai une deuxième championne dans mon inventaire, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Ok. Est-ce qu'on... Allez. Yes. Voilà, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Et on garde le contrôle du board. Vous savez quoi? Hop, voilà, on va carrément faire ça. Je sais que j'ai donné un cristal de mana, mais c'est pas grave, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors là, je sais pas pourquoi je sens qu'il va tout me clean. Dessiner une baston ou un tourbillon, je sais pas. Ça sent mauvais.
En tout cas, j'ai 7, 8 points de dégâts sur table, plus 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bah, tour d'après, je peux le terminer. Si j'ai de la chance. Ah, non, maintenant je peux plus le terminer. Il va à la tête dedans, évidemment. Ok. C'est dommage, j'aurais pu le terminer le tour d'après. Oh 3 et 4 fait 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, il manque un point de dégâts. De toute façon, je peux pas tout faire d'un coup. Il manquait un point de dégâts. Alors, déjà, ici ça coûte 4, 5, 6. On va mettre la championne. On va les taper dedans déjà. On va. Hop, ça, hop. Voilà. Au tour d'après, s'il fait rien, j'ai gagné de toute façon. 4. 5, 6, 7, il me manque un point de dégâts, un petit point de dégâts. Il faut absolument que je tombe sur un deuxième marteau. Ou un petit point de dégâts, quoi. Alors là, s'il va taper dedans, il est vraiment bête. Sang et pillage. Est-ce qu'il va aller taper dedans ou pas? Parce que s'il va pas taper dedans, il est mort. Et alors, attendez. Si, est-ce qu'il va aller taper dedans? Non. Non, allez, va taper dedans, ce serait marrant. Ah mince. Bah du coup, je crois que c'est fini quand même. Ouais, de toute façon, ouais. Donc, attendez, on va réfléchir. Je vais taper dedans, je mets le marteau, et puis je mets ça. Ok. Tac. Ah mince, j'aurais dû faire ça avant. J'aurais dû le mettre avant. Ah. Pff. Est-ce que j'ai assez? Pas assez de mana. Ah mince. J'ai mal calculé mon coup. Ouais, j'ai mal calculé mon coup. ça c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment dommage. Bon, la partie va durer un peu plus longtemps. Les portes sont ouvertes. Butez-le ! Ouais, c'est pas grave, j'ai ça. Bah j'ai gagné. Bien joué. Bien joué. Bien joué. J'essaie de pas misplay là. De toute façon, j'ai ça, hein. Hop. Bien joué. Donc voilà, 4-0, je pense. Oui, 4-0. Bah c'est génial. Je vais faire la cinquième partie dans la prochaine vidéo. Donc eh bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas, abonnez, like, blablabla comme d'habitude. Et allez voir la première vidéo si vous l'avez pas vue. Allez voir la troisième si elle est déjà sortie. Et eh ben, au revoir.